Come here! I found a wildstone! Salut bande de sauvageons et bienvenue sur Wildstone 940 abonnés, c'est le super plaisir, le super big up, le super wesh wesh, je te dirais même. Ça fait vraiment super plaisir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on teste? On teste un truc que je me suis dit, en fait. Voilà, j'ai envie un peu de deck builder, retenter des trucs qu'on ne tente plus trop. Et je suis parti sur un guerrier Reno, contrôle bien évidemment. Hein, et on va voir ce que ça donne. Alors, le problème du guerrier versus le paladin, c'est que si en face, on a le droit à un bon deck contrôle, il est tout simplement meilleur que nous. Et d'autant plus quand on est Reno, parce qu'on n'a que un gros removal qui est la baston. Et après, on a juste des effets de board, ce qui peut être compliqué. Néanmoins, on a une bonne main. Contre les autres types de paladins, ça peut se passer. Mais bon, clairement, c'est loin d'être le meilleur match-up, le palouf. Enfin, toujours, en fait. Hein, en mirror de contrôle paladin versus guerrier, bon, ça partait un peu tout droit dans un sens. Je vais équiper l'arme et passer. Je pense pas qu'il joue Limon. S'il joue Limon, c'est le rect absolu. Il joue Murloc. Ok. Bon, ici, ça va être assez simple play. Hein. Ça va consister à gouler. Hein. Ça va gouler. Zam. Ça tue. Tout de suite. On peut faire de la value direct. Donc, on va le faire. Bon, si c'est du Murloc, il va falloir stacker. Ah, mais c'est vraiment du Murloc, Murloc, quoi. Bon. Deathlord, au prochain tour, on peut faire Stone Hill et la fabricant d'armure. Il doit jouer... je sais, à la liste en face, là, vu les trois premières cartes, c'est étonnant. Donc ça va être difficile de prévoir ce que joue l'adversaire. Je te le dis direct. C'est même plutôt vraiment difficile. Mais on va y réfléchir, il y a peut-être un truc à faire. Alors, derrière, on va Stone Hill. Ça revient sur le Enzot. Hein. On n'a pas de dragon pour le trigger, mais au final, ça revient sur le Enzot, ce qui est pas trop mal non plus. On peut lâcher la petite goulasse. Derrière celui-ci, il prend. Là, on fait de l'armure. Là, on va tout droit. On a le Reno en main, de toute façon, c'est pas grave. Bon, au début, j'ai vu le Blue Guild, me suis dit putain, c'est du Anyfin. Alors derrière, tu dis faut stacker de l'armure et bien gérer les removals de bord. Derrière, tu vois Hydrologiste, tu vois les buffs, tu vois du Code Light, tu sais pas trop où tu t'en vas là. Là, on est parti au soleil, les gars. Donc derrière, ça devient difficile à prévoir. Il nous fait draw. Il se fait draw aussi, remarque. Petit oracle des familles. Il y a de grandes chances que ça soit le venger. Du coup, ça passe à 5 PV. Ça passe à 5. Est-ce bien grave? J'ai bien envie. On va tester le phase d'abord. Bon, c'est un noble. Du coup, je pense qu'on a qu'un Murloc à gérer ici au final. On va lui mettre la mine, histoire de lui dire tic-tac. On peut prendre le trade ici. War Leader, ça va lui prendre le trade. Il va avoir une créature qui proc, mais on a la 6-5 qui fait mal. On a le Chinmo, on a Reno, on a pas mal de trucs en main. Voilà, le War Leader qui proc. Il a une 5-4, il peut prendre le trade. Fine! Ouh, vieux trouble-œil. Pas dégueulasse, hein. On peut cameler quasiment tout le board. À part s'il a le deuxième War Leader. Mais même deuxième War Leader en soi. Il nous met pas si mal que ça. Découvrir un autre Murloc. Exceptionnel. Alors j'essaye de voir quel est le meilleur play.
pour conserver un max de trucs. L'exec qui parle là. En fait, le problème, c'est ce war leader hein, qui est vraiment, vraiment pénible. Le truc, c'est qu'une fois le war leader parti, derrière, on aurait des trades beaucoup plus favorables. Hein, remarque. Mais c'est cher tout ça. Est-ce qu'on mettrait pas juste le sludge? On part sur une exécution là-dessus. On prend le trade sur le war leader. Surtout avec des créatures beaucoup moins fortes, on continue à stacker de l'armure. On pousse. Au final, notre ami de Belcher qui contre son board. Ça se fait, hein. War Leader, découvert par le Primafield. Ok, on a le bash pour le jeu, celui-là. Ça n'est pas buffé. Alors, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'il peut faire value avec les War Leader à la chaîne. Après, derrière. Ok. Ouais. Acolyte. Faut déjà y aller comme ça. On peut mettre l'Akko ici. Prendre ce trade. Finalement, on a pas mal de PV. Il a 3 petits Murlocs on board. On va voir s'il a récupéré un autre War Leader. Ça serait vraiment pénible. Après, on pourrait chill mode Doomsayer. Hein. Ah, ils sont tous buffés en plus, hein, ces grosses chiennes. Ah, mon dieu, quoi. Ah, ce board fait mal. Ce board fait très très mal. On a Baston hein, qui me mettrait bien. Revanche. Revanche Sleep with the Fish aussi qui est pas mal hein, sur un board comme ça. Élise Starseeker. Bon, je pense qu'on part sur un play Chillmo slash Doomsayer. On peut le trade, hein, mais ça temporise. Prend pas trop cher comme ça. Ce qui avait vraiment mal, c'est vraiment le nombre de saloperies qu'il a top. Là, il est bête parce qu'il a l'étal, mais bon. Il y a toujours l'étal. Ah non. Bon, on est obligé de faire la revanche. Et le Reno. Le problème en fait, c'est qu'il y a pas mal de merde qui survivent. Que du coup, on va reprendre une douillette derrière. Mais bon, est-ce qu'on a vraiment le choix? Elredo, il a loupé l'étal, hein, clairement, en allant dans le Doomsayer, donc c'était pas très très bien joué de sa part, mais bon, on va la prendre, hein. Voilà, la carte qu'on aimerait voir depuis 20 siècles, c'est la Baston, on ne la voit pas. Sleep with the Fish aussi, hein, qui serait vraiment fucking OP sur ce board. Pas un truc OP, please. Bon, il prend les trades, ça m'arrange en soi. Bon, on prend cher quand même. Hein. Bon, on n'a pas le choix, c'est Enzot. Enzot qui nous amène le Sludge, le Deathlord et le Chillmo. Donc, faut les passer quand même tous. Mais si on pouvait voir soit la baston, soit le brawl, je serais content, je t'avouerais quand même. Ça me ferait un peu plaise.
Ça me ferait même super plaisir en petit cœur. Voilà, ça c'est bon. Ton board est plein, donc tu profiteras pas des Morlocks qui sont un truc. Putain, on a quand même pas mal de cartes hein, qui seraient pas mal, hein, franchement. Pas déconner. En fait, hein, y a quelques cartes clés aussi à les target chez lui, quoi, tu vois. Ah, il s'enligne vers une bonne consécration, je pense. S'il la consacre en main, c'est ce qu'il vise. Si la consécration, techniquement, elle a l'étal. Hein. Je comprends pas le délire. Je comprends vraiment pas comment c'est joué là, de sa part. Ça nous sauve pas du tout. On peut poser un taunt de plus. Si je mets la Deathbite. Qu'au final. Je pars là-dedans. Ça va être un Competitive Spirit. Donc il faut bien la jouer. Ah, le board était plein. Pas bête. On reprend ces trades là. En soi, tout saute sur le tourbillon du truc. On a quand même des bonnes créatures. On est qu'à 9. Hein. On a plus de heal, vraiment. Donc là, il faut vraiment tout jouer sur... Oh le bord dégueulasse. Oh le bord dégueulasse. Putain, la baston, les gars, la baston. On va armor up. Allez, armor smith. Ok, donc bon, de toute façon, on va être obligé de la jouer. Ça, c'est clair et net. Ça part de là. Je la joue en fin de tour pour qu'elle soit full life. Je pense qu'on va là-dedans. Il meurt. Ce bug qui est insupportable. On va dedans. On va dedans. On passe. J'aurais dû limite envoyer perdre le Enzot, tu vois. Pour profiter des. Profiter du Rale d'Agonie. C'est vraiment pénible que ça se. Dans l'ordre dans lequel ça se déclenche, moi ça me rend assez ouf ce truc. Je trouve que c'est absolument pas logique. Mais bon, c'est pas grave. Bon, l'Armor Smith qui va me faire gagner de l'armure. Hein, comme on dit dans le milieu. Donc ça, c'est bien. D'ailleurs, je pense qu'on va la gagner maintenant. Hein. Doucement, mais sûrement. Ça, c'est un bon top deck. Est-ce qu'il y a vraiment des créatures? Maintenant, il y a quand même de bêtes de créatures hein, dans le deck. Hein. Juste que ça, jamais, tu vois, il le passe. J'ai bien envie de grider Barnes. On va aller chercher le max de daube. Hein. Continue de faire la value avec le board au maximum. Et derrière, le petit Hide Color. Bon, là, c'est fini pour lui. Hein. Il me reste quand même putain, la baston qui se sera cachée, mais alors jusqu'au bout du monde, quoi. Ok, il la tue. Champion du Nexus Sar. C'est parti. Putain, on va faire de la value. Enfin, un peu de value dans ce monde de brut. Gang up. Franchement.
YOLO. Le triple enzot de la PLS. Allez mon grand, vas-y viens, je t'attends. Bim, la boum. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu celle-ci. Et on gagne alors qu'il a fait un gros miss létal. Et que putain, on aura raclé comme ça, tu vois, avec notre bon vieux guerrier Renault. On a raclé, hein, parce qu'on trouvait pas ce baston, on trouvait pas le slip twist de fiche qui permettait de dégager son board. Il y a eu je sais pas combien de war leaders. On la gagne au raccro avec ce petit deck funky. Franchement, bon, je pense qu'il est améliorable, hein, ce petit Renault. On va dire que c'est une V1, je vais continuer à travailler dessus, mais la game qui était plutôt sympathique. Dis-moi ce que t'en penses si t'as envie de voir plus de decks Renault. En fait, j'ai envie de retester, tu vois, genre maintenant qu'il y a Ungoro. Bon, que Main Street nous avait forcé un peu à jouer Renault dans 3 classes à cause de Kazakus. J'ai envie de retester, tu vois, de recréer des decks Renault dans toutes les autres classes délaissées et voir ce que ça peut donner. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires de ce petit gars. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus. Les sauvageons. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le regarder les autres qui sont ici. N'oublie pas de laisser un commentaire, de t'abonner, ça nous fait extrêmement plaisir. À la prochaine, voyageurs.